Départ 8h30 de Dvérajnest. Passer une nuit, oh, formidable, super reposante. La petite cabane rouge qui est là, le gîte est formidable, l'accueil super sympa. Je suis arrivé à 8h hier soir, vraiment top, adoré. Je recommande. Voilà sur le départ, donc beaucoup plus tard que ce que je voulais. Je pensais partir vers 7h, il est 8h30. J'avais besoin de repos, j'avais besoin de mettre à jour tous mes posts Instagram, de prendre un bon petit déjeuner. J'ai abusé du muesli qui était dans le placard. J'ai laissé un billet supplémentaire pour compenser. Parce que c'est vrai que j'ai un peu peur des calories là sur les jours qui viennent. Je me dis, mince, il faut que je tienne avec 3 jours avec ce que j'ai. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. La météo est pas terrible. Aujourd'hui ça va être gris mais pas pluvieux. C'est orageux demain, après-demain, et ça va tomber pile dans la montagne. Et ben on va faire avec. C'est a priori pas froid, pas venteux. Ça va être de la pluie droite. Donc on va faire avec ce qu'on a, les enfants. Quand on est plus pressé de faire son documentaire que de regarder sa carte, on part dans la mauvaise direction. Correction faite. J'ai marché 100 mètres. Toujours de la piste pour l'instant. Permet d'avancer vite. Sortie de piste. Et voilà. Revenu momentanément sur du sentier. Je vais encore croiser quelques installations là aujourd'hui. Donc j'aurai encore un peu de piste là ce matin. Avant d'être vraiment in the wild, into the wild. Buh. La belote. La belote. La belote. J'ai rien lâché. Faut tenir bon dans l'existence. Selfie des 1400 km fait à l'instant. J'y étais pas tout à fait quand j'étais au refuge. 1400 km à mon compteur. C'est-à-dire pas sur mon tracé prévisionnel. Sur mon tracé prévisionnel, il s'en faut 80 km. Beau point de vue. Depuis ce petit col, j'ai fait quelques photos avant, mais d'ici c'est beaucoup plus dégagé. Belle montagne là-bas. Bon. Et donc moi, je vais par là, et je pense que là-bas derrière, c'est le Borgfjäll qu'on verra bien. Descend maintenant dans la vallée, direction Granès, le camping, qui était vraiment trop loin pour y être hier soir, même sans tous mes petits retards d'hier, c'était pas un plan gérable. Et puis de toute façon, le gîte de Dvérajnest était parfait, parfait. Si,
allez-y si vous venez par là. Cranès est là en bas, dans le creux, au bout du lac. Encore bien 200 mètres de descente. La route est droite, mais la pente est forte. Par endroits, je commence à trouver un avant-goût des forêts plus sombres que je vais trouver vers le sud. Je suis déjà, d'ailleurs. Maintenant vers le sud. Mais regardez-moi cette forêt de framboisiers. Je suis pas là au bon moment. Plus tard. J'espère que j'en aurai. Au sud, là où il fait nuit, parfois. La nuit. Je n'ai plus vu la nuit. Mais j'ai vu une grenouille qui fout le camp par là. Hop, j'ai plus vu la nuit depuis une éternité. Oh, un champ, la civilisation. Bon, contourner comme ça. L'habitude française. Je sais pas comment font les Norvégiens. Lasse-toi, jusque là-bas, au moins j'aurai encore du chemin. Là, j'ai de la route. Et au risque de me répéter, eh ben, ça me fait du bien. Camping de Granès, tenu par un vieux monsieur en train de tondre sa pelouse. Je lui parle en anglais, il me répond en norvégien. J'ai tenté l'allemand, il me répondait un peu mieux. Je me demandais s'il y avait une pièce commune que je pouvais utiliser. Je suis pas sûr de la réponse. Il m'a dit oui, mais je suis pas sûr qu'il ait entendu la question. Bon, donc faut que je trouve, ça doit être quelque part là-dedans. Sinon je vais demander aux occupants du camping. Me voilà reparti. Pas la plus formidable des pauses. Mais j'ai rechargé les appareils, j'ai un peu grignoté. On va marcher. Je vais refaire une pause pour m'aérer les pieds dehors là, parce que ça marine. J'ai bien regardé la carte. Je pense avoir encore plusieurs refuges possibles ce soir. Donc, au moins deux possibilités, sinon trois. Donc, c'est pas trop mal. Alors, Vastoa, je l'avais pas noté comme un refuge, mais vu le marquage, et sur la carte, vu que j'ai un carré qui indique justement un abri en dur, je pense que. Ça doit être un refuge, et probablement peut-être bien Statskog, c'est-à-dire ouvert à tous. Oh, joli chemin en forêt, bien sombre. Et avec ce temps, c'est pas là que le panneau solaire va charger. Bon. Au milieu des énormes bolets, je viens de trouver mes premières myrtilles presque mûres. Pas très sucrées. Oui. Bouh ! Et plein de moustiques ! Déguerpissant. Bon, si je peux me trouver un endroit un peu à l'air, un peu dans le vent, qui me permet d'échapper un peu aux moustiques pour mettre mes pieds à l'air, ce que j'ai pas pu faire dans la cuisine du camping, parce que ils en ont besoin, sinon ça va chauffer. Donc je fais ma pause en deux temps. Un petit coup dans le camping pour charger les appareils. Et un petit coup par ici, près de la rivière, pour sécher les pieds.
Je vais refaire une petite pause ici, sécher les pieds. On traversait. 13h30 après cette deuxième demi-pause. Et maintenant, j'ai 600 mètres de dénivelé pour revenir dans la montagne. Et de l'autre côté, aller chercher le refuge d'Arvastoa. Donc 13h30, 18 km à faire dans la montagne. Je pense en avoir pour pas loin de 5 heures. Donc 18h30 au refuge d'Arvastoa. Ce que je pense être un refuge. Et de là, je verrai ce que je fais en sprint final de la journée. Hop. Deux belles cabanes en dessous. Belle toiture végétalisée. C'est l'heure d'être entretenu. Donc je vais avoir mon chemin qui va partir là sur la gauche et monter raide. C'est parti. Mais t'as vu que ça va transpirer. Ah, du coup, ça monte. 600 mètres. Le chemin est plutôt bon. On peut prendre un rythme et le tenir. J'ai personne avec qui faire la conversation. Alors, je la fais avec vous. Parler à cette petite boîte noire. Mais ça vous intéresse pas. Profitez. Forêt de sapin a laissé place au bouleau qui se font de plus en plus petits au fur et à mesure que je monte et que je vais me retrouver à l'air libre, sortant de la moiteur. Dès que je vais être sur la crête, il faudra que j'enfile le convent parce que je transpire à fond. Presque plus d'arbres. Mais la montée continue. À peine moins raide, c'est vrai. Crêtes sont... Je pense que du haut des crêtes, la vue va être belle. Le plafond nuageux est assez haut. On va avoir de la vue. L'essentiel de la montée est faite, Granès est là en bas. Je suis venu de l'autre côté de Verennes qui est là-bas, plus loin. Un beau, beau panorama. Borgofiel, la partie haute. Bon, je vais passer par la partie basse. On ne voit pas encore. Bon, vu que le dénivelé maintenant se calme, je vais enfiler le coupe-vent parce qu'il y a un petit vent pas froid. Mais moi je suis trempé, donc faut que je me couvre. On passe au pied de cette grosse montagne. On longe, j'arrive à voir les cairns jusqu'à plus de 500 mètres de distance. C'est pas compliqué, on reste à flanc. Ça se fait très bien, j'aime bien, c'est super agréable. Et la vue est sympa. Avec des belles montagnes là qui percent, qui vont toucher les nuages. Ah, tout ça ne monte guère plus. Un peu au-dessus de 1300 mètres, quoi. Un ballon vosgien en quelque sorte. Mais quel ballon! Je réalise que j'ai rencontré mes derniers randonneurs il y a déjà 50 km en arrière, au bord du Kruttvatnet. Là où j'avais un panneau qui me disait 25 km pour
vers Elnes. Et j'ai fait 25 km depuis. Étonnant. Jusqu'ici, je rencontrais ma bonne poignée de randonneurs tous les jours. Et là, sur ce tronçon, personne. Bon, on va peut-être changer. Peut-être que la série sans randonneur va se terminer au 51e kilomètre. Je crois en voir deux là-bas au bout du lac. En tout cas, ces ruines m'ont bien imité. Le temps s'est bien tenu aujourd'hui. Il y a un petit peu de soleil qui permet de charger un peu par le panneau. Et pas avoir froid. Il fait très doux. Il fait très bon. Pas sûr que ce soit la même chose les jours suivants. Donc aujourd'hui, il faut avancer. Je n'irai pas jusqu'à Arvastoa en une seule traite, comme je le voulais. Il doit rester 7-8 km. Et ce que je pensais être des randonneurs au bout du lac, et ben, c'était très bien imité. Vu de loin, je voyais quelqu'un en sombre et quelqu'un en bleu ou vert se tenant droit. Non, non. C'est un mur de la d'une cabane qui faisait le très sombre vertical. Et ce que je pense être le bloc WC de cette même cabane. Marrant. Donc, me revoilà en mouvement après une pause nécessaire. Je vais passer voir ce que c'est que cette cabane. J'aime bien savoir, même si je suis pas prêt de revenir ici. En termes de documentation pour les suivants, on va dire. Si je veux dormir en dur ce soir, donc je dois avoir ce que je pense être une cabane à Arvastoa. C'est encore à 12 km. Ça ne me mettrait qu'à 38 km total de la journée. Ce qui est un peu court pour boucler ma traversée en 3 jours. Et surtout que c'est aujourd'hui que le temps est correct. Après c'est mauvais, donc c'est maintenant qu'il faut avancer. Le problème c'est que la suivante, elle n'est pas à 12 km, elle est à 27 km. 15 de plus. Là ça me ferait 53 km pour la journée. Là c'est franchement trop. Je vois pas comment je peux y arriver. On va arriver à minuit. Je vais tomber entre les deux. Bah, dans ce cas-là, je campe. Je pense que c'est vraiment une cabane d'éleveur. Ouais, c'est verrouillé. Cadenassé. Ça peut être bien sympa, mais bon. Nous, on poursuit. Ils sont où mes cairns? Je les vois plus. Par ici devant, c'est de la montagne assez douce qui s'annonce. C'est sous la clôture. Il y avait sûrement quelque part un meilleur système. Je comprends bien, l'itinéraire me fait descendre jusqu'à la rivière là en bas, me fait la traversée et remonter pour passer le col qui est par là, ouais. Petit col qui est là en face, et redescendre ensuite, passer sur l'isthme entre deux lacs. On la verra sur place, ça va tout seul. Ouh, le chemin est discret, les cairns aussi, donc il faut être attentif.
Je crois que là-bas se profile ma première traversée par bateau. Le bateau serait le point orange, si vous le voyez au centre de l'image. Bateau avec un câble. C'est calme, paisible, c'est vraiment sympa. Je marche. À 50 mètres, je vous mets au défi de distinguer la peinture sur l'écorce de bouleau. Et ça ne me dit rien de la marque suivante. Ici, je joue au sanglier pour tenter de me raccorder sur la trace. C'est de temps en temps quelque chose qui ressemble à une sente, mais le marquage, plus le marquage et la trace sur ma carte semblaient bien se correspondre. Ah ben voilà, ça y est, je retrouve un cairn là-bas. Allez donc. Oh, c'est pas bien méchant. Ça m'a permis de tomber sur une belle petite source bien fraîche. Et ouf. Là où est le cairn. Et on est censé de le voir en arrivant de là-bas. Et le suivant? Non, c'est pas plus. S'aventurer. Bon, c'est mon GPS dans lequel j'ai confiance. Fini par s'y retrouver. Enfin bon, faut savoir que c'est un chemin. Je savais que ce moment viendrait. Eh bien, ça va nous faire un moment intéressant. Donc, nous avons un bateau. Là-bas. Nous avons une poulie. Ici. Et là-bas. Et nous avons un câble qui circule entre ces deux poulies. Et ben voilà, on a tout compris. Plus qu'à monter dedans. Alors, arriver à attraper le câble. Voilà, je tiens le câble. Maintenant, moi, il faut que je monte dans ce putain de bateau qui demande qu'à chavirer. Voilà. Je suis dedans. Et maintenant, il faut faire circuler dans l'autre sens. Bon, je range la caméra maintenant, hein, parce que j'ai quand même besoin de mes deux mains. Et je suis de l'autre côté. Alors en fait, le truc, faut pas se casser la tête à vouloir faire circuler avec le bout, avec la corde. Il faut aller attraper le câble en acier. Il faut se mettre debout sur le bateau, attraper le câble en acier, et ça va tout seul. La poulie, en fait, elle n'est là que pour faire venir le bateau à soi. Mais une fois qu'on est dans le bateau, c'est le câble métallique qu'il faut attraper. Voilà. Allez, un bon souvenir. Belle montagne du Borgefjell, pas celle dans laquelle je vais aller, se distingue bien. Allez, faut marcher plus très loin du Tarasuta.
3 km. Beaucoup plus tard que prévu à cause de des pauses surnuméraires dont j'avais besoin, c'était nécessaire, il n'y a pas photo. Et d'être parti très tard ce matin. Je serais bien allé au refuge suivant, mais 15 km de plus, je le sens pas. Donc destination pour la suite, c'est dans les vallées là-haut. Faire son chemin. Je vois pas y être ce soir. Il est trop tard, il va être 20h quand même. Donc non. Non. Enfin, je vais regarder. Je vais regarder ce que je fais. La bonne solution, c'est peut-être bien effectivement de dormir dans le premier refuge là et puis partir le plus. Comme ça me fait arriver plutôt tôt, dormir plutôt tôt et démarrer super tôt demain matin pour faire la grosse journée sous la pluie. Youpi. Youpi. Mieux comprendre pourquoi c'est pas dans mes repérages, hein. C'est privé tout ça. Alors, ça fait peut-être gîte ou autre, mais c'est pas ce que je cherche. Bon, ça veut dire que faut que je rentre dans une opération bivouac. Bon, ben, on va s'en profiter pour avancer un peu et voir où ça se fait. Bon, je regarde la carte et j'affine mes plans. Bon, les options. Donc là, j'ai devant moi quelques kilomètres de piste facile. 3 peut-être, comme ça. Donc autant qu'il soit fait, c'est liquide. Sauf à ce qu'il y ait un spot parfait, pas loin de la route là, qui apparaisse, mais je ne vais pas m'emmerder à chercher. C'est hyper marécageux et tout. Bon, bref, donc c'est pas. Je vais pas me faire chier. J'exclus pas, mais. Donc, ce qui est fait ce soir n'est pas à faire demain. Quand ça bifurque de la route, ça grimpouille un peu dans la montagne. C'est pas brutal. Et il y a quelques plateaux qui. Il y a quelques plateaux où ça pourrait être possible. Et puis, si c'est pas possible, et ben. J'ai un abri en dur qui est au bout des 15 fameux 15 km quoi. Donc ça fait pour minuit et demi. Bah, vous saurez ça en regardant la suite de la vidéo. Parking, c'est la zone de départ vers le bord de Fjeld. Ah, ça y est, du marquage. Hop. Bon. Et donc, ouais, il y a le refuge des Tiplingen, là, tout en bas de la liste, 11 km. Après, je sais pas ce que veulent dire les petits signes marrons, là. Est-ce que ça veut dire un genre de cabane ou autre. On va voir le long du chemin, hein. Alors que j'arrive à 45 km pour la journée. Je descends vers la rivière, le torrent, qui se traverse par un pont, pour remonter 250 mètres de dénivelé en face et arriver sur une zone de plateau. A priori, il y a des trucs. Pour moi, il y a de quoi bivouaquer. Il y a peut-être même des abris, des cabanes, des aménagements. Bon, on va voir. A priori, 4 km. Pour ce plateau, pas beaucoup. Et après, il y a carrément le refuge, refuge ouvert, Stascog, à 11 km, mais là, non, je veux pas. J'y peux plus. Je vous fais pas la traversée. Hein. Oh. Mais je crois qu'il y a une belle image par là.
On monte dans les dalles rocheuses. Un peu vite sorti de la forêt. Je pense que c'est qu'un intermède. Il y a eu du boulot ici pour faire les pontons de pierre. Je ne suis pas mécontent d'arriver là-haut et de trouver un truc sympa pour poser le camp. Je vais approcher les 50 km, un peu moins, 48 je pense, 49. Ah, grosse journée. Je crois que j'arrive sur mon plateau. Alors je vais explorer encore un peu. Il y a un sigle qui signifie peut-être un abri à trois murs qui m'irait bien. Ça m'évite de monter de la tente s'il existe. C'est peut-être pas ça. Et puis on va trouver la combinaison du cours d'eau. Du spot plat, je commence à en voir, et de la vue. Allez, encore une petite 20 minutes à chercher. N'arrête pas de jeter derrière moi des regards sur un interminable coucher de soleil flamboyant. Voilà ce que je suis venu chercher, cette vue. Waouh. Superbe.